Et qu'aime comme yon petit tête zon yon vin vant un petit grain tomate et combien tout produit yon vin tête nèg d'ailleurs son chance même qu'on gagne qu'on joigne ni donc c'est pressé prend donc son situation bon son situation c'est moun a fait bon net qui a sauvé et même ou même a fort plus ou moins hein, ou tellement gen de moun ou pata pense ki en difficulté kap sollicite ou, donc se yon kap traîne l'autre entre nan trou, ke mwen wè ke pays sa ap fourre nou, puisque président li même il est accroché à son pouvoir, en yen pas intéressé ke le maintenu le pouvoir, et nous même tande ke le sollicite. C'est vrai, li sollicite une assistance humanitaire, mais dans même assistance ça, li mande pour les États-Unis voye moun pour sécuriser yo en pile moun, notamment met André Michel que nous pralwe là, non note li sorti en pile moun interpréter ça. Tant qu'il y a un appel à l'occupation du pays, un appel à peine voilé que président a fait à travers aide que l'a demandé États-Unis, demandé département d'État, on va voir ça. Est-ce que un simple citoyen qu'a pio que intérêt tout ton pays, c'est ce qu'on va voir? C'est certainement non, la réponse est non. Et en plus de ça, président Jovenel Moïse qui quand même voulait par tous les moyens se maintenir au pouvoir, lui journée jodi a utilisé l'État pour le faire répression sur le monde. Notez qu'on a dénoncé les forces de police. Alors, pas toute police là, mais un pile policier qui tombait dans faire répression, bat moun, tuer moun. Et mercredi à seulement, c'est 14 moun l'opposition enterré. 14 moun, gen poko enterré toujours. Nous, ça qui passé dans mi en balai avec journaliste Néhémi Joseph. Nous, en pile journaliste qui a agressé par gen ken secteur qui ménagé. En plus de répression qui a fait à travers la police, qu'on bon organise les droits humains dénoncés, notamment le cadre qui posait cette les questions pour le dire, la police est-elle en passe de devenir une force de tuerie? Des voitures non immatriculées et des véhicules armés dans le cortège du président. C'est sa carte et noté dans le rapport qu'elle fait sortir. En plus de répression, ça a connu au vu de tous. Et cap fait, M. président, tout opposant, soit dans le secteur privé, qu'on y a utilisé appareil l'État, soit BMPAD, soit DGI, soit ONA, pour lui régler contre lui avec eux. Donc, nous t'es toujours qu'on dit ça, mais c'est clair que dirigeant ici pas fait différence entre l'État et eux-mêmes. On dirait que tout l'État a servicio yo, et pour yo maintenir au pouvoir, pas gagner ou pas faire, yo utiliser machine l'État pour yo faire répression sur le monde. Nous t'avons ça dans le temps avec propriétaire ça qui était de Bokaye Mateli qui ont utilisé DGI pour te voyer des factures qui pas gain sens pour le payer s'il pas ca payer pour saisir Kaela. Nous t'a des Reginal Boulos qui t'a dit que DGI voyait facture bali qu'il déjà payé bon l'argent il soumille. Et journée aujourd'hui nous vinoué que gade bagay qui était négocié avec on a arrêté dans mi-temps route pour sortir note pour passer intérêt de 3 à 15 16 17% bagay tête chargé net même pas cap mandé et compagnie Sogener pour lui et il sommel pour le payer le comme dans 3 jours avec honoré avocat comme et gaz que yo ta consommé alors que yo même blié que même Sogener ça l'état doit yo plus cob que ça donc nèg yo pas comme ça pour yo faire demander site qui abriter toute firme ça ou toute entreprise ça qui gain service à l'état en pour fournir yo mégawatt courant Sogener y power toute l'autre yo. Donc c'est en répression que Jovenel Moïse a fait sous secteur privé des affaires là
tout le monde qui mande pour l'aller, donc c'est l'État qui servit et pour lui utiliser pour essayer de calmer. Mais le président Jovenel Moïse semblait pas qu'on ait un processus irréversible qui est engagé. Ce n'est pas secteur privé, ce n'est pas bourgeois qui m'en doit aller. C'est pays, au contraire, bourgeois, là où vous voyez qu'il a perdu plus dans l'accroche à un président fantoche, il a adopté position peuple, même pas quoi, c'est yo qui problème, c'est pays qui m'en doit, président Jovenel Moïse, Fongeant, parce que d'ailleurs, vous prouvez qu'on n'a pas de moyens pour garantir rien. Ou pas qu'à faire l'école relouvrir, ou pas qu'à faire activité commerciale prend, ou pas qu'à faire province reconnecter à Port-au-Prince, ou pas qu'à faire vie reprendre dans le pays. C'est clair, après tout temps ça, plusieurs périodes de paralysie ont été reprises timides et puis nous tournons en paralysie encore. Ça qui fait que nous avons une classe moyenne qui a crasé, en pile emploi qui a perdu dans le pays. Nous, mon joli qui est obligé de fermer, mais mon joli, c'est hôtel qui gagne, non, que nous parlons de lui, mais valait l'autre business hôtel qui oblige à fermer parce que chiffre d'affaires, yo, diminué presque de trois quarts, même plus, parce que moi, j'ai expérience, en tout cas, information, de gagner des hôtels qui fournissent, qui dînent, que, alors que y'a gagné, on t'a dit, dépenses mensuelles, qui avoisinent les 100, 150 000, 200 000 $, et voilà que y'a trouvé une situation, côté, y'a obligé, pas réaliser, même 10 000 $ non mois. Donc, y'a pas qu'à payer personnel, en pile entreprise, obligé, sacré, ciré, t'es fait, mais yo diminué dans personnel, yo changé, yo ben, horaire 2-3 jours par semaine pour quelques vini, donc salaire, yo considérablement diminué. Donc, pendant combien de temps nous carrêter dans situation si là? C'est la grande question que le président pas qu'à répondre, alors que, qu'on y a, l'a attaqué business, de monde li censé penser qui cap financer la ria salva qu'on est bon si moun sa yo par exemple t'a dit OK pas de problème président comme vous mandé a nous pas caper n'a fermé président Jovenel blié que c'est lui même qui l'a pour garantir un cadre des affaires de façon à ce que tout bagaille fonctionne pour business fonctionner pour gain travail bon si on dit a fermé et a voyé des milliers d'employés ou aller qui sont pour le faire. Ça la grande question. Bagay sa yo moun pa agi en tête chaud. C'est ça que fait me demander. Est-ce que vous font évaluation ou évaluation psychologique ou évaluation psychiatrique pour président pour qu'on ait est-ce que pouvoir faire le paix du tête li? Voilà. Et puis c'est chaque jour et structure. Cap dit président son gestion a augmenté hier. C'est conférence haïtienne des religieux et religieuses. Qui font cri du cœur pour dire que toute institution, l'école, a pu continuer à être fermée et ils ont même annoncé marche et ils ont demandé président Jovenel pour le faire un geste. Alors, Antonin, sous une journée très mouvementée, 17 octobre, que pays a été connu, 17 octobre, qui c'est la mort de l'empereur, la mort de Jean-Jacques Dessalines, bâtisseur de la nation. On grand date dans l'histoire politique haïtienne, dans l'histoire tout court Haïti, puisque nous constatons Dessalines représenté pour nation ça, et traditionnellement dans date ça, toujours gain en pile activité, gagne président de la République là, qui toujours, alors l'aime dit président de la République là, m'a dit, depuis toute l'histoire, nous c'est comme ça, il toujours renni au pont rouge pour le déposer en gerbe de fleurs dans pied monument côté qui symbolisait côté empereur a été tombé et ensuite il y a toujours renni dans ville marchand des Salines ville première capitale ville empereur pour y aller célébrer un tédéum
L'année dernière, le président Jovenel Moïse était vivant une véritable tragédie, puisque non songé au pont rouge, un pile roche était tiré sous côté. La président était couru les marchands. Et les autres ont passé par la route, c'est pas possible, puisque la route là était barricadée, c'est un hélicoptère dans le machin, et non, on cérémonie, bouillie vidée, pressé, toute reste délégation qui était accompagné président Pat Fouti retourné Port-au-Prince gain qui pratiquement prenant guet-apens dans Saint-Marc gain qui fait route en des route crochi quitter route nationale là bagaille difficile gain c'est juste dans demain qui était réussi tourné. Alors, année ça bagaille yo vinn pi grave puisque crise la radicalisé, c'est tout secteur net qui mandé président pour le quitter ça. Alors président qui d'ailleurs depuis quelque temps pas qu'a fait sortie publique, non songé deuxième lundi d'octobre, premier lundi d'octobre et ouverture des tribunaux président pas qu'a traversé il là pour le tal nan, et pour le tal nan cour de cassation. Pour cérémonie ça, cérémonie qui était obligé annuler puisque président cassation depuis la veille au soir a déclaré ouvert les tribunaux du pays parce que président cérémonie ça tape trop long, tape bien plusieurs interventions et barou fait président fédération des barou et discours du président de la cour de cassation et discours président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse était ouais, c'est une cérémonie ça a duré trop de temps et peuple là qui était gain rendez-vous pour lui manifester sous champ de masse là, t'es compliqué, président, pas t'aller. Mais 17 octobre, président, font opération coucou rouge, puisque nous apprenons des agents de l'IRGPN, la police t'est mobilisée, barricadée, même champ de masse, pièce, même mouche pas passé, même journaliste, notamment journaliste Signal FM, prend coup, les a essayé de traverser cordon de sécurité, ça, pour tal ranio nan Mupana, puisque président, après le déposon jet de fleurs. Jean-Nouvel, il s'écrit, c'est 13 minutes seulement, président, fait, pour le courir, mettre jet de fleurs, et puis, racher Mayokli. Et, président, et Jean Sakon fait, li pas de gagner. Ken gros autorité dans l'État, bon, ken l'autre autorité, t'as coup, les grands commis de l'État qui pas accompagné, c'est seulement deux, trois, quelques ministres, madame ni, qui t'en s'amarelle, pas de gagner les présidents des deux chambres du Parlement, puisque Parlement l'a toujours, mandat député au poco fini, président Garibodo là, président Karl Mira Kantav là, pièce pas de présent, puisque président pas de gagner temps pour le gagner temps, tout le monde sa yo, il pas de vle, et, peuple a été envahi. Donc, c'est comme ça, 17 octobre passé. Et, président, et non discours provocation, d'accord, dit non, petite déclaration provocation, malgré le fait, dans la conférence qu'elle était bas, dans le palais national, il était parlé de système n'a bloqué, et la goumé contre système n'a, tout le monde était passé en dérision pour ça, il dit, on n'est pas de cagne bateau du riz, bateau tol, bateau tout bagaille, qui pral dans grand dans tout pays, à le distribuer après cyclone, ou ces petits paysans, côté pour te jouer tout bagaille ça ou c'est système nan baoul système nan preto en pile l'argent pour faire genre des bananes système nan font bonne bagaille pour et puis journée jodi on parler système mal donc malgré tout président te tourner encore sous système nan nan petite déclaration tout coûte qu'elle t'ai fait et qu'elle t'ai fait de nan Mupana nan de la quitter Mupana 17 octobre qui saute passé a yon l'autre fait qui t'ai retenu attention tout le monde tout observateur c'est la présence de ces agents de sécurité étranger américain et qui t'ai posté sous tout 2004 là. Alors là encore l'autre preuve que parole président c'est pas parole sacrée parce que président dans la conférence qu'elle te baille et dans palais national là ont demandé est-ce qu'elle prend service agent sécurité étranger il dit c'est de monde qui vini pour évaluer sécurité
Palais National, c'est des bagailles qui toujours faites, lui rappeler ça t'est fait sous Jean-Bertrand Aristide, etc. En fait, nous pas qu'à comprendre des agents viennent évaluer pendant temps ça, y a de gros âmes lourdes dans mais et y ont monté sous tour 2004 pour y a veiller président. Là encore, y ont l'autre bagaille qui montrait comment président parole li pas sacré. Alors si président lui-même 17 octobre pas de carène ni pont rouge, mais nous t'a regardé son vidéo qui virale là sur les réseaux sociaux, deux jeunes du quartier de Pont Rouge qui t'ai gagné deux jets de fleurs dans main yo et qui t'ai fait déclaration dit puisque président pas qu'à venir, nous même nous pas qu'à quitter empereur comme ça, il a déposé deux jets de fleurs dans pied monument Jean-Jacques Dessalines au Pont Rouge côté moun yo té badijon en mettant pile fatra et té gagné branche manifestation qui té rendu dans Pont Rouge dans l'espoir que yo té ka croiser à président, mais président pas de gain ça dans tête li du tout, li pas vle revivre ça té vivre l'année dernière dans Pont Rouge côté nèg yo tellement couri même de moun yo qui t'a atteint etc. Nous songe ça. Mais parallèlement, il y a une manifestation dans les rues de Port-au-Prince, plusieurs branches manifestation qui étaient gaillées tout partout, Port-au-Prince, et une branche qui était réunie avec Moïse Jean-Charles et quelques autres dirigeants devant l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Moïse Jean-Charles était entendu et parlé à Mounsayo pour lui-même qui kembe Jovenel Moïse sous pouvoir, en particulier les États-Unis d'Amérique. Donc c'est ça qui t'est expliqué que était non et rendu devant et bâtiment de l'ambassade américaine à Tabar. Et puis il faut dire c'est dans tout le reste du pays t'es gain manifestation, des villes que nous pas contendé qui t'es gain manifestation, et Saint-Michel de la Talaye, partout manifestation, mais côté ça t'est plus grave, c'était dans Léogane, puisque Léogane manifestant yo qui était en colère contre président qui fait la sourde oreille à tout appel que yo lancé Bali, mon Léogane t'est metté du feu dans plusieurs bâtiments publics de la ville et malheureusement gon jeune de 16 ans nous pas comprendre ça qui a passé, comment ti moun yo dans l'âge ça sans pile ti moun 16 ans qui tombé en pile qui tué que yo assassiné que yo alors yo dit c'est la police qui tué dans Léogane jeune de 16 ans ça, et puis dans Grécier moun yo té complètement incendié la mairie de Grécier. C'est vrai, c'est des actes que nous devons évidemment dénoncer, puisque quand même après le départ de Jovenel, n'a bien quand même pour nous refaire, et c'est l'argent encore que pays a obligé pour le dépenser pour lui faire li, mais moun yo c'est colère yo qui rivait comme ça, et puisque nous ouais président semblait pas sous tant de raisons par rapport à causer cela. Alors, nous avons dit la conférence haïtienne des religieux et religieuses qui fait tant de voyaux, non notes, qui sortit le 18 octobre 2019. Note de la conférence haïtienne des religieux. Dieu voit la souffrance de son peuple. Il entend les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car il connaît ses douleurs. C'est comme ça, et conférence l'a commencé pour le dire. Faisant suite à notre dernier message en date du lundi 30 septembre 2019, où nous avons clairement uni notre voix à celle de tous les secteurs clés de la nation, à ceux et celles qui refusent la corruption, les gains faciles, la contrebande, pour exiger de nos dirigeants de tirer les conséquences de leurs inconséquences en faisant preuve de sagesse et en écoutant la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Considérant aujourd'hui la crise humanitaire sans précédent dans laquelle le pays est en train de basculer,
considérant qu'elle est la résultante d'une crise beaucoup plus profonde, touchant les fondements même de notre vivre ensemble dans ses dimensions politiques, économiques, sociales et religieuses, considérant la faillite totale de nos institutions républicaines, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, et la responsabilité de nos élites politiques, intellectuelles et économiques dans le pourrissement de la situation, nous, religieux et religieuses, issus des entrailles du peuple, conscientes de notre mission comme consacrés, missionnaires et envoyés surtout en ce mois missionnaire où le pape François nous invite à défendre la vie, la dignité de la personne humaine et à rechercher la paix et la réconciliation. Interpellons la conscience de tous et de chacun, en particulier le chef du pouvoir exécutif, tendez bien, pour qu'il prenne acte de la gravité de l'heure et prenne en conséquence une décision sage pour Haïti. En clair, au mando, démissionner. Lançons un vibrant appel au respect de la vie, de l'intégrité de la personne, en particulier les enfants, Stimoun 16 ans n'a pas assassiné, les malades, les vieillards, les handicapés, les femmes enceintes, ainsi qu'au respect du bien commun et du bien privé. En raison de l'insensibilité et de l'indifférence des différents acteurs politiques face à l'avenir du pays, en raison du climat généralisé d'insécurité, nous nous retrouvons, dit conférence là, dans notre SILA, nous nous retrouvons, alors c'est là, Yopral Vindi, que obligé et fait main toute institution yo jusqu'à ce que gagne sécurité dans pays a jusqu'à ce que bon en clair c'est comme si yo voulait dire jusqu'à ce que président Jovenel Moïse tende raison pour le faire et ça que tout pays a mandé là donc yo dit nous nous retrouvons dans l'obligation de garder les portes de nos institutions fermées jusqu'à ce qu'un dénouement, alors qu'on institution, c'est toute l'église et l'église, c'est toute l'école, l'école congréganiste, il y a qu'un bépote, il y a fermé jusqu'à un dénouement heureux de la crise, jusqu'à ce qu'un dénouement heureux de la crise soit trouvé dans le meilleur délai, favorisant, mais dénouement ça, ça l'a bien la donne, favorisant le triomphe de la justice, de la vérité et de la réconciliation, ainsi que le retour à la normale de la vie nationale. En ce mois missionnaire, où notre Saint-Père, le pape François, nous invite dans sa prière à être des témoins de l'Évangile, courageux et ardents pour que la mission confiée à l'Église puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la vie et la lumière. Comme consacrés, nous décidons de poser deux gestes symboliques mais très significatifs. Qui j'essaie, nous solidariser avec les victimes de cette crise qui a déjà trop duré par le don de sang à la Croix-Rouge haïtienne, la visite de centres hospitaliers pour la remise du produit de notre collecte de médicaments et de matériels médicaux, ces premiers bagailles-là, convaincus que les propos du Saint Jean-Paul II tenu lors de sa visite en Haïti le 9 mars 1983, sont plus que jamais d'actualité, à savoir, il faut que quelque chose change ici, il faut que les pauvres de toutes sortes se reprennent à espérer. En communion profonde et en solidarité permanente avec notre peuple souffrant, nous allons marcher en silence
à compter de 9 heures le mardi 22 octobre 2019 à la fête du Saint-Paul II dans toutes les grandes villes du pays pour prier, célébrer notre foi et implorer les grâces divines sur notre pays et notre peuple. Donc l'Église a marché mardi 9h dans tout pays, mardi 22, 9h dans tout pays, toute l'Église a fait même genre, yo dit pour prier, célébrer notre foi et implorer les grâces divines sur notre pays et notre peuple, nous partirons devant l'Église du Christ Roi pour nous rendre au sanctuaire de Notre-Dame du Perpétuel Secours au Bel Air et finir par une célébration eucharistique qui sera présidée par notre archevêque. Nous invitons le clergé de nos 10 diocèses et les fidèles catholiques, les membres de toutes les autres confessions religieuses, tous les secteurs socio-professionnels, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à se joindre à nous pour faire monter vers Dieu le cri de nos douleurs. Ça veut dire l'Église catholique invite toute l'autre confession religieuse, yo, quel vaudouisan, quel protestant, etc. Puisque parlant de ça, faut dire, les églises pentecôtistes qui ont même tout, on marche demain dimanche là. Donc, puisque le président pas attendait, il est obligé de sortir, il est même pour faire le tendre, que nous pas qu'à assister bras croisés à un pays qui a mouru dans mes nous, à un pays qui a disparu, tout simplement pour faire plaisir à un chef. Qui chef? Un chef qui ne dirige plus rien, qui est un président fantoche et fantôme dans le palais national. Face à l'ampleur des défis du mouvement et au nom de notre foi, nous vous redisons notre solidarité et notre engagement indéfectible à vos côtés, ça c'est à peuple à parler. Nous en profitons pour appeler la société tout entière à œuvrer pour une vie meilleure en Haïti. En tout cas, moi féliciter l'Église, moi féliciter la conférence haïtienne des religieux qui gagne courage pour un grosse disposition ça yo pour yo fait un dévoyo yo, yo t'es trop absent. Alors mon qui signe c'est père Éric Jasmin, président de la conférence haïtienne des religieux. Gagne père Jean-Denis Saint-Félix, conseiller de la conférence haïtienne des religieux. Gagne sœur Loude Toussaint, vice-présidente de la conférence haïtienne des religieux. Et puis, gagné Père Gilbert Peltrop, secrétaire général de la CHR. C'est son note d'une très grande importance que l'Église obligée fourrer tête li nan bataille là parce que li obligée est aux côtés du peuple de Dieu pour yo aider yo prier dans situation chaotique que l'état nouvelle a mettez nous. Parlant de assassinat journaliste Néhémie Joseph, vraiment nous saluer peuple Mian Baléa qui sorti et avant-hier en masse vraiment pour te rendre hommage mérité à gros Potorik garçon ça nan Mian Balé qui sont jeunes professionnels qui étaient vraiment fait non dans communauté a qui étaient animateur dans radio Panique et correspondant de Mega qui mourit chez gagné directrice générale UNESCO a qui à travers un tweet de notre consoeur Jacqueline Charles de Miami Herald, Jacqueline Charles qui dit que la directrice générale de l'UNESCO condamne le meurtre du journaliste Néhémie Joseph en Haïti. C'est tweet Jacqueline Charles. Jacqueline, et merci pour tweet ça qu'on fait en français puisque on connaissait pas domaine nous et c'est tout, surtout anglais et que Jacqueline parlait avec créole là. Dégager là, c'est bien. Mais il fait tout ça en français et gagne alternative là, tout comité alternative là, presque en bloc,
qui était dans mis en balai hier, il était passé sur do tout, il a mis en balai hier, il t'a loué famille Néhémie Joseph et il t'a salué famille porter tout mot de réconfort yo bayo et il était tout profité ba en conférence sous place mis en balai côté pour te féliciter peuple là qui vraiment accompagner mouvement ça mouvement et qui visait et pour chavirer système non puisque même Jovenel n'a chavirer système tout alors et yo vraiment parlé de poursuite mobilisation parce que gan pile activité qui prévoit pour jouyo là par exemple hier c'est une grande manifestation dans tabac et gagner manifestation tout dans Carrefour jodi à tout et hier Rosemont Jean fait un pile monnerie Rosemont Jean qui était voulait faire manifestation de soutien à pouvoir mandé pour l'école relouvrir t'es sorti dans Carrefour mais faut nous dire et moi ouais t'es kagon vingtaine de monde qui accompagné heureusement et bon proverbe haïtien qui dit heureusement sous paka gris pas songe ba la bien et parce que l'ori ou a dit les crier c'est ça ça semblait en tout cas et on poignée de manifestations qui devait être une vingtaine te prend la rue avec Rosemont hier donc des manifestations jodi en Carrefour des manifestations des artistes cap marché en deuxième dimanche de suite demain gain manifestation marche des églises et pentecôtistes cap sorti 3 mai passé et Carrefour aéroport pour y aller Pétionville gain lundi gain manifestation des élèves étudiants professeurs tous syndicats et ils ont invité tout le monde lundi et il a démarré devant dans Wikapoa gagnent des avocats aussi qui comptaient font marche quoi c'est mardi ou mercredi gagnent des secteurs privés a yo poko confirmé mais qui était annoncé que yo ka fermé toute entreprise yo lundi k'ap vin là et puis gen manifestation lundi à New York hier nous t'étendé Eden's débat devant l'ONU pour yo di yo suspend supporter alternativement et ça suspend supporter et président Jovenel Moïse Noé qui sont président et fantoche qui pas rien l'a réglé encore et puis nous te dit que la police c'est la police qui doit ressaisir en pile moun k'ap mouri en pile moun k'ap blessé nan manifestation policier tout c'est nan bilan et porte-parole police là te fait hier li parler d'en pile cas de policier qui victime gen yo désarmé gen blessé etc. yo fait plusieurs interpellations. Alors, il y a un cadre qui m'a dit tête les questions. Est-ce que la police est en passe de devenir une force de tuerie des voitures non immatriculées et des véhicules et des individus armés dans le cortège du président et des machines sans plaque depuis les 6, 7 et 8 juillet suite à l'annonce du gouvernement d'augmenter le prix des produits pétroliers, la population s'est lancée dans une série de mobilisations pour dénoncer le mépris du gouvernement face à la détérioration exponentielle de ses conditions de vie, alors que les faibles ressources de l'État sont gaspillées par le pouvoir exécutif et ses proches au Parlement. Cependant, suite à la publication du premier rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en février 2019 sur la gestion des fonds pétro-caribéens, la population s'est mobilisée davantage, exigeant le départ du président Jovenel Moïse et en suivi les différentes mobilisations. Le Centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme a pu constater que la police s'est progressivement lancée dans une grande opération de répression systématique
violant ainsi les droits des citoyens, l'USGPN, l'UDMO et le CIMO sont les unités les plus impliquées dans cette opération. Alors, CAD est venu avec quelques cas, par exemple, qui concernaient l'unité de sécurité générale du Palais national, USGPN. Le 21 novembre 2018, le CAD avait attiré l'attention de la direction générale et de l'inspection générale de la PNH sur la présence de l'unité de sécurité générale du Palais national dans les manifestations des 17 octobre et 18 novembre et son implication présumée dans des actes de bastonnade et de tuerie. Au moins 6 manifestants ont été tués d'une balle à la tête. Le surlendemain 20 novembre, le directeur général de la PNH, d'alors, Michel-Ange Gédéon, avait affirmé publiquement n'avoir exercé aucun contrôle sur le fonctionnement de cette unité dont les agents cagoulés portaient un uniforme autre que celui de la PNH et était lourdement armé de M60. Le 10 juin 2019, le commandant de la dite unité, Dimitri Hera, a ouvert le feu sur des manifestants faisant au moins 4 blessés. Le mercredi 16 octobre 2019, une patrouille de l'IRGPN postée dans les parades du Champ de Mars a ouvert le feu sur des participants aux funérailles de 2 manifestants. Au moins 2 personnes ont été blessées. Le même jour, Jean-Bernard Maslin, militant des droits humains, a été violemment agressé par des agents de l'USGPN. Le 17 octobre 2019, dans la matinée au Champ de Mars, le journaliste Rénal Petitfrère, Radio Signal, a été violemment battu, coup d'arme et coup de poing, par des agents de l'IRGPN alors qu'ils sillonnaient les rues dans le cadre de sa rubrique matinale qui Jean-Larry Aye. Son matériel a été fortement endommagé. Les voitures de l'IRGPN n'ayant aucune immatriculation sont accompagnées d'autres voitures sans plaque transportant des individus lourdement armés. À titre d'exemple, mercredi 16 octobre vers 13h, une voiture de marque Mitsubishi de couleur grise transportant des individus lourdement armés a accompagné une patrouille de l'USGPN stationnée à l'angle de l'avenue Martin Luther King et l'avenue La Martinière. Quelques jours avant, une autre voiture sans plaque accompagnant une patrouille de l'USGPN était garée dans la station d'essence située à l'angle de l'avenue John Brown et l'avenue Martin Luther King. Qui sont ces cagoula? De quelle instance relève-t-il? L'unité départementale de maintien d'ordre et corps d'intervention du maintien d'ordre, CIMO et UDMO, 2 BACOP immatriculés 1-00190, 1-00030, ont violemment tué dans l'œuf les rassemblements au carrefour de l'aéroport, 30 septembre, un BACOP immatriculé 1-00-541 a brutalement dispersé des manifestants en direction d'une manifestation à Pétionville, vendredi 27 septembre, a mis en balle des policiers de l'UDMO après avoir dispersé les manifestants, ont pourchassé des citoyens dans plusieurs coins de rue de la ville, une dame est morte asphyxiée à Jacmel. Un BACOP de l'UDMO stationné près du commissariat, après avoir reçu des pierres et entendu une détonation, une patrouille qui ouvrit feu sous foule. 17 octobre, le journaliste correspondant de Radio Zénith au CAI, François Jacquelin, a été violemment battu par des agents de l'UDMO d'une patrouille immatriculée 3-01-578 parce qu'il faisait remarquer qu'il ne devait pas porter des cagoules conformément aux dispositions prises par le haut état-major de la PNH pour mieux gérer les dérives policières. Il a transporté à l'hôpital. Alors, tout bagage ça a poté, CAD dit cet état de choses préoccupe le CAD dans un contexte où la thèse que des corps étrangers soient mis aux côtés de la PNH paraît
paraît être confirmé. À la conférence de presse du mardi 15 octobre, annonçant qu'il ne partirait pas du pouvoir, le président a confirmé que des agents étrangers étaient en Haïti pour renforcer sa sécurité. Le 17 octobre 2019, un jour après, un tireur d'élite a été vu du haut de la tour de 2004 au Champ de Mars. C'est pas un seul nom. Il y a trois dans la vidéo qui a circulé. À titre de rappel, le 17 février 2019, sept mercenaires lourdement armés ont été appréhendés près de la BRH, puis conduits à la DCPJ trois jours après le 20 février, à la consternation de tous et sans aucune explication, ils ont été libérés puis conduits à l'aéroport en direction des États-Unis sur ordre de l'exécutif. Il est donc recommandé à la direction générale et à l'inspection générale de la PNH d'enquêter sur cette anomalie et de faire le point afin de consolider les acquis de l'institution et de la préserver contre toute emprise politique ou autre. En effet, ces cagoulards portant des uniformes de police sèment la mort, ces voitures sans plaque, ces mercenaires en mission sur le territoire, ces inconnus étrangers assurant la sécurité du président laissent présager que l'institution policière est au bord du précipice. Les institutions de la société civile et des citoyens doivent exiger des autorités concernées des explications sur l'existence de ces armées qui sont ajoutées à la PNH, conclut le cadre qu'a dénoncé Jean-Noël là, utilisation que pouvoir a fait de la police nationale d'Haïti, un bagage qui très dangereux selon le cadre, mais c'est pas l'ICEL, c'est tout le monde qui a remarqué et problème si là. Alors, on dit hier, gagnait Maché Contré, qui lui-même gagnait des structures, tant qu'au OPL, Fusion et l'autre encore, qui t'est réuni la presse et dans le local Partia pour te présenter, yo même tout, une solution inclusive de la crise et ils ont fait une mise en contexte pour dire depuis une année Haïti traverse une zone de turbulence politique sévère qui risque de mettre en péril sa souveraineté et son existence en tant que qu'État-nation. Une forte majorité de la population qui porte les stigmates de la misère et des privations de toutes sortes imposées par la politique d'exclusion pratiquée dans notre société depuis sa création en 1804, a exprimé avec fracas les 6 et 7 juillet 2018 son rejet du système imposé par la classe dominante depuis plus de 200 ans de gouvernance clanique. Une démonstration qui a entraîné immédiatement le renvoi du gouvernement conduit par M. Jacques-Guy Lafontaine. Malgré l'expression forte de ce refus, le président de la République, Jovenel Moïse, n'a pas eu l'intelligence de profiter de ces événements comme une opportunité pour amorcer la rupture tant demandée par de nombreux secteurs de la vie nationale. Il a fait le choix de monter une équipe hétéroclite, incapable de répondre aux exigences du moment, au lieu d'un gouvernement fruit d'une concertation avec tous les secteurs. Après 6 mois de malfonctionnement, ce gouvernement a implosé, occasionnant le départ du premier ministre Jean-Henri Séant dans un grand désordre suite à un vote de censure de la Chambre des députés. Du mois d'octobre 2018 jusqu'à aujourd'hui, le chef du pouvoir exécutif a perdu complètement la direction du pays. Il ne contrôle plus que l'espace du palais national. Le pays est occupé par des méga manifestations qui touchent non seulement la zone métropolitaine, mais aussi l'ensemble des villes de province, paralysant ainsi toutes les activités sociales et économiques sur tout le territoire. Depuis juillet 2018, la situation politique d'Haïti n'a pas cessé de se dégrader. Le pays est théâtre de manifestations multiples, réprimées par l'exécutif le 17 octobre 2018, 28 novembre 2018, 7 février 2019, 9 juin 2019 et depuis le mois de septembre 2019 sont autant de jalons qui marquent
la détermination du peuple haïtien pour obtenir la satisfaction de ses revendications légitimes. Cela a causé des pertes économiques importantes, un manque à gagner pour les commerces et les industries, des pertes d'emplois dans des entreprises qui ont dû cesser leurs activités tant à Port-au-Prince que dans les grandes villes du pays. Le discrédit du pouvoir a été accéléré par la publication du rapport de l'ONU en date du 21 juin 2019 sur le massacre planifié à La Saline par le gouvernement à travers le délégué départemental. Après 8 mois de vide gouvernemental, le président de la République n'est toujours pas parvenu à mettre en place un gouvernement malgré la majorité confortable dont bénéficie son groupe au sein du Parlement. Aujourd'hui, toutes les institutions du pays sont complètement dysfonctionnelles. Le président ne contrôle plus rien. Il n'y a pas de premier ministre ni de gouvernement. Le Parlement est pratiquement caduque parce qu'il est capable de fonctionner. Il n'y a même pas de rentrée parlementaire à la date prescrite par la Constitution. Plusieurs ministères et administrations important n'offre plus aucun service aux citoyens, le système judiciaire est largement décrié, etc. Le deuxième rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, transmis au Sénat de la République le 31 mai 2019, anéantit complètement le peu d'apparence de moralité et de crédibilité qui restait au président de la République. Il a apporté la preuve par les faits qu'il est inapte et incapable de diriger le pays et qu'il n'est plus digne de représenter le peuple haïtien dans les instances internationales. Pratiquement tous les secteurs de la vie nationale, partis politiques de l'opposition, secteurs économiques, intellectuels, organisations de la société civile, secteurs religieux, médias, artistes et la quasi-totalité de la population réclament sa démission comme chef de l'exécutif. Il est devenu évident pour tous les observateurs sérieux qu'on ne peut compter ni sur ce président, ni sur le gouvernement, ni sur le Parlement, ni sur le judiciaire pour redresser la situation. Ils font partie intégrante du problème. La situation générale du pays se dégrade chaque jour davantage et les risques d'affrontement deviennent de plus en plus élevés. Il est temps d'agir pour mettre définitivement un terme à cette descente aux enfers et proposer au pays les voies d'une sortie de crise durable et inclusive. C'est pour éviter au pays le chaos généralisé que des partis politiques Fusion, OPL, Mokrena, Vérité, VEO ont engagé une démarche de concertation marché contré avec des différents secteurs de la société civile et du milieu des affaires pour proposer à la nation une alternative crédible, inclusive, susceptible de permettre la mise en place des structures capables de répondre à la complexité de la situation et d'engager le pays sur la voie du progrès en opérant les ruptures indispensables pour prendre ensemble un nouveau départ. Il est entendu que le président de la République, les membres du gouvernement et les parlementaires seront considérés comme démissionnaires dès qu'un large consensus aura été trouvé autour de ces propositions. Elles sont conçues pour porter les Haïtiennes et les Haïtiens à faire la méfiance à terre, la méfiance qui caractérise habituellement leurs relations et à comprendre qu'aucun groupe ou secteur ne peut avoir la prétention de trouver seul la solution. Toutes les tentatives hégémoniques sont vouées à l'échec et la course au leadership est improductive. C'est ensemble, dans un esprit de dépassement, que toutes les forces vives de la nation doivent se retrouver motivées par une volonté commune de rompre avec les pratiques du passé, de transformer profondément les structures de gouvernance du pays et notre manière d'approcher la politique. Toute sortie durable de la crise ne peut venir que de la concertation la plus large des Haïtiens eux-mêmes, en dehors de toute interférence étrangère. Donc, ils proposent une structure de mécanisme de remplacement des pouvoirs défaillant, compte tenu du fait que les deux branches de l'exécutif, les deux branches du législatif et le judiciaire n'inspirent plus confiance aux citoyennes et aux citoyens, il importe
pour ne laisser aucun vide au sommet de l'État de trouver un consensus entre tous les acteurs clés de la vie nationale en vue de procéder rapidement à leur remplacement. Il s'agit de mettre en place immédiatement un Conseil national de transition qui aura pour mission, après le départ du président, de choisir selon les modalités décrites ci-après un président de la République et un premier ministre, de valider le choix des membres du gouvernement de transition, d'assurer le suivi et le contrôle de l'action des membres du gouvernement en veillant au respect par ces derniers de la feuille de route faisant partie intégrante de ces propositions, de désigner les membres de l'équipe chargée d'organiser le dialogue national, mécanisme de choix et mission des membres du Conseil de transition. Il s'agit d'un organe inclusif regroupant des représentants d'organismes politiques et de divers secteurs clés de la société civile. Le Conseil est composé de membres représentatifs des secteurs majeurs de la vie nationale. Ils sont présentés par les organisations politiques et les secteurs clés de la société civile et le secteur privé des affaires. Les organisations composant le Conseil de transition veilleront à désigner des personnalités honorablement connues et au-dessus de tout soupçon ayant du caractère et capable de résister aux influences extérieures. Elles auront le souci de désigner autant de femmes que possible de manière à ce que le Conseil de transition compte en son sein au moins un tiers de femmes. Les membres du Conseil de transition occuperont cette fonction pendant toute la durée de la transition jusqu'à l'élection des nouvelles personnalités appelées à diriger le pays. Il est entendu que les membres du Conseil de transition ne pourront pas être choisis comme président de la République, premier ministre, ni comme membre du gouvernement et de transition. Ils ne pourront pas non plus se porter candidat aux élections qui seront organisées à la fin de la transition. La fonction de membre du Conseil de transition n'est pas salarié. Chaque membre recevra un montant forfaitaire décent lui permettant de couvrir les frais occasionnés par les services qu'il aura à rendre bénévolement à la nation. Une fois le gouvernement mis en place, il veillera à fournir au Conseil de transition des locaux appropriés, un secrétariat, des moyens logistiques et des ressources financières pour fonctionner de manière indépendante, optimale et efficace. Les membres du Conseil de transition éliront parmi eux une présidente, un vice-président ou présidente, deux secrétaires rapporteurs. Ils établiront eux-mêmes leur règlement intérieur et prendront leurs décisions à la majorité absolue des membres. Bon, il a défini tout choix président provisoire de la République là. Dès sa première réunion, le Conseil devra entamer les démarches en vue de choisir un président de la République. Pour se faire élire, il procédera de la manière suivante. Il demandera aux partis politiques représentés au sein du Conseil de transition de s'entendre pour présenter deux candidats et aux divers secteurs représentant la société civile d'en proposer un pour occuper le poste de président de la République pour la durée de la transition. Chaque candidature sera présentée formellement par chaque secteur avec un curriculum vitae, une lettre de motivation et un engagement de l'intéressé à travailler en étroite collaboration avec le premier ministre qui sera chargé avec son gouvernement de conduire la politique de la nation pendant la transition et de mettre en œuvre les exigences de la feuille de route. Yobay, comment premier ministre l'a choisi, comment même gouvernement, etc., etc. Donc, ces propositions, il parlait de dialogue national, tout ça, et c'est un document en 8 pages présenté et par ces partis et regroupé au sein de marché contré. On va gagner tout ça en détail dans l'édition matin 1. Merci à invité qui s'est déjà arrivé. Nous prions l'autre pour faire diligence pour y arriver parce que nous devons déjà commencer l'émission.